dizaines de Palestiniens tombés en martyrs au cours de l'agression israélienne contre Gaza et la résistance pilonne Tel Aviv et d'autres villes. Ouverture à Téhéran de la conférence de dialogue national syrien. Les unités de l'armée arabe syrienne pourchassent les terroristes dans différentes régions, liquidant un grand nombre parmi eux. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le bilan de 5 jours de guerre israélienne contre Gaza s'élève aujourd'hui à plus de 50 martyrs, dont 14 enfants et 476 blessés suite à une guerre soutenue par l'appui inconditionnel des Américains et la complicité de certains pays arabes. Aujourd'hui, un nouveau raid israélien a visé Khurbet al-Adas près de Rafah, causant 5 martyrs et plusieurs autres blessés, dont certains en état grave. Au camp de réfugiés de Marazi, 4 martyrs sont également tombés. Le centre administratif de Gaza au quartier As-Saraya a été entièrement détruit par un raid de chasseurs israéliens, ainsi que le poste de police d'Al-Darraj. La tour Ash-Shurur, abritant des centres médiatiques, a également été ciblée par un raid dévastateur. 2 enfants d'une même famille ont été tués à l'intérieur de leur domicile à Jabalia, 2 heures après le raid contre la tour Ash-Shurur. Un 3e enfant a également été tué par les raids israéliens, alors que 2 autres ont été blessés à Al-Breij, au centre de Gaza. Dans le quartier Al-Tufah, 4 Palestiniens ont été sauvés et retirés des décombres de leur domicile détruit par un bombardement israélien. Parallèlement, des vedettes israéliennes ont bombardé un rassemblement de Palestiniens à l'ouest de Gaza, faisant 1 mort et 8 blessés. La résistance palestinienne a riposté en lançant de nombreuses roquettes contre les localités d'Ashdod et Sderot et en ciblant Tel Aviv et les bases aériennes d'Atsarim ainsi que le camp de Taslim. Des voix s'élèvent de plus en plus dans plusieurs capitales du monde condamnant l'agression israélienne contre Gaza. Monsieur Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a affirmé que l'entité israélienne a été surprise après quelques jours de son agression criminelle sur Gaza de la fermeté de la résistance palestinienne, qui donne un exemple de sagesse, du courage et de capacité contre les ennemis. Nasrallah a déclaré dans un discours que la possession de la population de Gaza des éléments de la puissance sera l'unique puissance capable à imposer une position ferme vis-à-vis de l'ennemi, l'ami et tous les gens. Le Conseil du peuple a condamné l'agression israélienne barbare contre le peuple palestinien désarmé dans la bande de Gaza assiégée. Dans un communiqué, le Conseil a souligné que l'agression israélienne sauvage reflète la nature brutale de l'entité sioniste et s'inscrit dans le cadre des tentatives infructueuses visant à briser la volonté et la fermeté de la résistance, ce qui révèle l'implication de certains pays occidentaux qui prétendent défendre les droits des peuples arabes. À Damas et en signe de solidarité avec la population de Gaza et du Régé, de la poursuite de l'agression israélienne sur Gaza, des étudiants syriens et arabes qui étudient à l'université de Damas ont organisé un sit-in devant le bâtiment de l'ONU pour condamner l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Les participants ont dénoncé l'agression israélienne barbare et ses pratiques répressives, appelant à soutenir les Palestiniens de Gaza. Le ministre de l'Information, Amran Zabi, a affirmé que l'adoption par la France du Conseil de l'opposition fabriqué à Doha n'ajoutera aucune valeur politique et apporte la preuve de son implication dans le soutien du terrorisme en Syrie. Dans une interview à la chaîne Al-Alam, Al-Zabi a souligné que l'échec de la première phase du plan agressif contre la Syrie, concrétisé par la tentative d'assurer une ingérence étrangère militaire et d'imposer le fait accompli à l'intérieur, a poussé certaines parties
parti a cherché d'obtenir des gains politiques via le prolongement de la crise. Il a souligné que la différence entre les deux positions, française et américaine, est maintenant claire, mais que cela ne signifie pas que la position des Américains est bonne, mais ces derniers sont plus compréhensifs et réalistes dans leur analyse de l'échec de la première phase. Al-Zoubi a fait noter que le conseil résultant de la réunion de Doha est une reproduction du conseil d'Istanbul et que sa formation est une déclaration de guerre contre la Syrie, car le communiqué publié à cette occasion refuse le dialogue, la déclaration de Genève et toute action pacifique pour mettre fin à la crise et appelle à l'armement et au soutien militaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a affirmé que la crise que traverse aujourd'hui la Syrie a été importée de l'étranger. Il a affirmé que toute ingérence étrangère dans l'affaire syrienne établit un état dangereux dans les relations internationales et conduit à la violence dans toute la région. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la conférence « Non à la violence, oui au dialogue et à la démocratie », Salehi a indiqué que cette conférence pourrait constituer un pas important dans le règlement de la crise en Syrie et l'instauration de la stabilité dans ce pays, précisant que l'entente entre toutes les composantes syriennes est le but essentiel de cette conférence. Il a appelé à mettre les intérêts de la Syrie au-dessus de tout autre intérêt pour arrêter la violence et soutenir les efforts de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Ahdar Brahimi, le plan de 6 points de Kofi Annan et les propositions du gouvernement syrien pour le règlement de la crise. Il a enfin assuré que la Syrie est un pays important au Moyen-Orient et un exemple à suivre dans la coexistence pacifique. Pour sa part, le président du conseil de la Choura iranienne, Ali Darjani, a appelé les pays de la région à mettre fin à l'envoi d'armes en Syrie dans le but d'envenimer la situation, réclamant par contre l'envoi de ces armes à la résistance palestinienne pour faire face à l'agression israélienne. Les terroristes ont tiré 2 obus de mortier contre les quartiers résidentiels de Mazdeh à Damas, causant de grands dégâts matériels. Le premier a visé l'école des filles des martyrs, causant des dégâts matériels dans l'enceinte de l'école et dans plusieurs bâtiments voisins. Le second a touché 2 maisons dans le quartier de Mazdeh 86, causant d'énormes dégâts à une et détruisant une autre qui était en cours de construction sans faire de victimes. Toujours à Damas, une charge explosive a été actionnée sous une voiture parquée près de la ville sportive de Jala, dans le quartier de Mazdeh. La charge, qui pèse environ 50 kg, a incendié 4 voitures. 6 citoyens ont été tués et d'autres blessés suite à la chute d'un obus de mortier tiré par des terroristes à Jeramana dans la banlieue de Damas. L'obus a visé la rue Bassel, très fréquentée. Une source à l'hôpital de Jeramana a indiqué que 6 martyrs et 12 blessés ont été transférés à l'hôpital. L'attentat a causé de lourds dégâts matériels dans nombre de véhicules et de microbus. Nos forces armées ont poursuivi la purification de différentes régions des groupes terroristes armés, liquidant un grand nombre parmi eux et leur infligeant de lourdes pertes. À Deir Zor, une unité de l'armée syrienne a ciblé un rassemblement des terroristes à Al-Boukamal, tuant et blessant des dizaines parmi eux. Une source du gouvernorat a souligné que parmi les terroristes tués figurent Mohamed Amin Al-Qashqa et Omar Mohamed Al-Qashqa de Jusr al-Shahour à Idlib et Saïd Raja Ahmad Matrou, خليل حجيج الكواع محمد جاسم الحويني رضوان الملا عمر الراوي عبد الله صخر وصلاح الماسي. Une autre unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste dans le quartier de Jbeila, faisant des tués et des blessés entre ces éléments. La même source a indiqué que parmi les terroristes tués figurent Abdelrahman Saleh Al-Khleif Al-Habouch, membre du bataillon des Muhajirines relevant du front Al-Nusra. À Alep, l'armée a neutralisé 5 véhicules utilisés par les terroristes dans leurs actes criminels. 3 de ces véhicules étaient équipés de mitrailleuses et 2 autres transportaient des terroristes, des armes et des munitions près de l'école Sardan al-Jabri dans le secteur d'Al-Soukari. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres.
Une vingtaine de Palestiniens tombés en martyrs au cours de l'agression israélienne contre Gaza et la résistance pilonne Tel Aviv et d'autres villes. Ouverture à Téhéran de la conférence de dialogue national syrien. Les unités de l'armée arabe syrienne pourchassent les terroristes dans différentes régions, liquidant un grand nombre parmi eux. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.